Mon nom, c'est Michèle Thibault. Je suis enseignante de formation, mais je suis aussi la spécialiste des labos créatifs naturels pour l'organisme à but non lucratif Labo Créatif. Mon rôle, c'est d'appuyer les enseignants, les élèves, les éducateurs partout en Atlantique et ailleurs. Tout d'abord, je tiens à mentionner que ces enregistrements ont été tournés en territoire non cédé ou Alastuquik. Les premiers peuples ont occupé ces terres avant mes ancêtres, puis sont encore aujourd'hui les protecteurs. Nous sommes privilégiés de pouvoir bénéficier de toutes ces richesses et il en est de notre devoir d'enseigner à nos élèves l'histoire de ces terres et notre responsabilité à tous de la protéger et de la valoriser. Chaque sortie en nature, c'est une occasion de partager notre gratitude. Sur quel territoire est située votre école? Je vous invite à faire la recherche et à en faire part à vos élèves et à votre communauté scolaire. Pour grandir ensemble, nous devons savoir d'où on vient et où on est. J'ai débuté à m'intéresser aux pédagogies par la nature. Je parle plus précisément des pédagogies conscientes du lieu parce qu'il existe plusieurs termes pour définir l'utilisation d'espaces extérieurs en éducation. En écoutant le reportage « Found in the Forest » qui explique la démarche pédagogique unique de l'école environnementale de Maple Ridge en Colombie-Britannique. Depuis 2012, c'est toujours la seule école publique de la maternelle à la 9e année entièrement à l'extérieur. Parce qu'on connaît tous les bénéfices du temps passé en nature, autant pour les élèves que pour nous les adultes. Et si la classe extérieure idéale était gratuite et accessible? Et si chaque enseignant, éducateur détenait le bagage nécessaire pour vivre la pédagogie par la nature avec ses élèves? Avant de débuter ce module de formation, je tiens à vous partager ce court montage d'une semaine dans la vie des élèves de l'école environnementale publique de Maple Ridge, en espérant que ces images vous inspirent comme cette visite m'a fait rêver. Oh,
I can do it. I can do it. I can do this with you, Michelle. Okay. How about...